La première chose à faire avant de faire découvrir le rémora à Matisse est bien évidemment de le monter correctement. Une roue après l'autre. Vérifiez bien qu'elle soit bien fixée à la structure de la remorque et dans le bon sens. Une fois les roues fixées, vous pouvez mettre le frein à main pour plus de sécurité en cas de pente par exemple. La fixation sur le vélo est très importante. Il faudra donc ouvrir le bras de support du rémora et le maintenir ouvert. Une goupille vous permet de sécuriser l'ensemble. Le clip de fermeture du rémora peut alors être détaché afin d'ouvrir l'ensemble de la remorque. Vous pouvez ouvrir et sécuriser le rémora grâce aux bras de fixation latéraux. Dès que vous entendez le clic, le bras est sécurisé. N'oubliez pas de placer le drapeau qui permettra aux voitures d'être plus vigilantes. Il est temps maintenant de fixer le rémora au vélo. Une patte de fixation est prévue pour glisser dans le support du rémora. Une fois rentré, il est primordial de vérifier que la goupille soit bien fixée et sécurisée. N'oubliez pas de consolider l'ensemble avec la sangle de sécurité que nous avons fait passer dans la structure du porte-bagages. Il ne faut pas que celle-ci soit trop tendue, ni trop lâche. Mais il faut qu'elle puisse ne pas gêner les rayons du vélo lorsque l'on roule, ni qu'elle risque de déformer les supports existants dû à une tension trop importante. Une fois le rémora en place, j'ai pu mettre le panier de Matisse dans la remorque, accompagné de son jouet. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir qu'il était déjà très curieux. Une fois en face du panier, Matisse a directement voulu sauter dans le rémora. Nous avons donc voulu lui montrer aussi l'avant de la remorque en ouvrant la petite fenêtre. Les premiers tours de roue étaient calmes pour ne pas le brusquer. Mais au final, il semble avoir bien aimé cette balade à vélo en passant très régulièrement la tête à droite et à gauche pour découvrir la nature et l'environnement. Verdict de l'ensemble, très positif. Il semble avoir adoré ce nouveau moyen de transport. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et surtout à nous dire en commentaire si vous avez la même remorque pour chien ou si vous avez un autre modèle en nous donnant votre avis. Prenez soin de vous et à bientôt !